Nyon, cette petite ville au bord de l'eau est en proie à un terrible dilemme. Avec le nombre de kebabs qui augmente, il faut savoir se démarquer. C'est ce qu'a décidé de faire un petit kebab tunisien en vendant de la viande végane à ses clients. Un choix qui fait débat car selon ses usagers, cette viande ne serait pas végane, mais serait de la réelle viande de mouton. Alors on m'avait parlé de ce kebab végane, hein, donc j'y vais. Déjà j'ai jamais entendu parler d'un kebab végane. Je commande mon kebab. Je prends une morse dedans, et là je me rappelle du goût qu'il y a 25 ans. Ça fait 25 ans que je suis vegan, monsieur. Et là, je peux vous assurer que c'était de la viande. Ouais, j'étais dans la Hesse là, je cherchais un capqué. Et franchement là, il y a quelqu'un qui m'a conseillé, je suis allé là-bas. J'étais tranquille. Et à un moment, je coupe le kebab, et il me dit, viande vegan. J'étais, quoi? Viande vegan? Mais c'est de la viande que je veux moi, pas vegan. Ouais, ben justement, moi je suis allé à ce kebab, j'ai goûté la viande, puis je me suis dit que c'est quand même vachement de la viande en fait. Et je trouvais ça pas très cool pour les vegans en fait, parce qu'ils croyaient que c'est de la viande. On trahit leur confiance. On m'a beaucoup trahi, ma confiance. Une polémique qui s'étend jusqu'aux réseaux sociaux. Sur Twitter, le hashtag Sauvez mon kebab fait rage. Sur YouTube aussi, une chaîne accuse le restaurant de publicité mensongère. Ouais, chier, j'ai bouffé un kebab vegan. Mais mec, un kebab vegan, un kebab ça met de la viande. Et là, tu mets des légumes déjà dans un kebab avec même de la viande. Et là, tu rajoutes des légumes. Mais nique sa mère là, vraiment. Ouais, alors honnêtement, moi je vais pas trop m'exprimer sur ce sujet. Moi ce que j'en pense, hein. Bah, c'est que déjà, y a des légumes dans le kebab. Et du coup, si en plus y a des légumes, ça fait des légumes, des légumes dans du pain. Et du coup, c'est juste un sandwich à la salade. Tu vas nous trouver si tu kebabs, c'est de la viande, putain. I do not understand this controversy. My meat is 100% vegan. We kill our cattle the right way, the halal way. I just wanted to help a friend to open a little restaurant in Switzerland. I can swear on my name, my meat is... What? What the fuck? Halal is not vegan? What are you saying? This can't be possible, are you kidding? Suite à notre interview, le gérant du kebab a décidé de reconvertir son restaurant en marché de salades bio locales. Mais la lutte contre la mondialisation n'est pas encore terminée pour notre petit commerçant.